Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3 pour un nouveau gameplay. Aujourd'hui, j'ai joué à la CUDA sur Havoc, donc la map Havoc. Alors, personnellement, c'est pas une de mes préférées, mais vous allez voir vraiment que le gameplay est assez génial. J'ai jamais fait un score comme ça, c'est vraiment énorme. Alors, pendant ce gameplay, je vais aborder différents sujets. Voilà, donc le gameplay va être assez agréable à regarder, surtout le début de partie, que ça m'a vraiment plu. Je dois faire. Je crois que je suis arrivé. À 13 kills sans mourir au début, c'est vraiment pas mal du tout. Alors évidemment on est en mode studio, donc les mouvements sont un peu comme je dis compressés, c'est à dire que vous avez pas le même dynamisme que si on était vraiment en live. Sauf que bon, je peux pas faire trop de live parce que bon, je suis pas sûr déjà de faire une bonne partie, donc recommencer trop de fois. Et puis des fois mon commentary, j'arrive pas trop à jouer et en même temps à commenter, voilà. Donc il va falloir vraiment que je m'habitue à jouer et en même temps à commenter, parce que sinon pour YouTube ça va être plus difficile. Donc pour l'instant je temporise un peu. Alors l'écorcheur il est vraiment génial, moi je le prends tout le temps, je sais pas vous. Dites moi d'abord dans les commentaires ce que vous prenez comme spécialiste. Moi personnellement l'écorcheur il est vraiment sublime en fait, parce que c'est un couteau mais qui a une portée de fou, c'est ça. Et ça c'est vraiment génial. Alors, pour l'instant, on commence avec un score de 7-0, donc ça c'est vraiment super. Alors j'ai débloqué tous mes killstreaks, j'aurais dû, maintenant que j'ai mon gameplay, mettre des killstreaks plus élevés, mais bon, j'ai pas pensé, hein. Vous le pensez bien. Normalement, en fait, j'arrive, une partie sur 5 à faire un colis stratégique, du coup j'aurais jamais pensé mettre là, par exemple, le Cybercus. Même Cybercus, je l'avais quoi, 9-0 normalement, j'ai mon Cybercus, j'aurais eu, je sais pas, un Storm et plein d'autres choses. Alors, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on a le double du score de l'autre team, donc pour l'instant, on se démerde plutôt bien. Moi, mon score est juste génial, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire des scores comme ça, du coup, ça, je m'en rends pas compte en fait, tu vois. C'est, je crois que c'est ma meilleure partie sur Call of Duty Black Ops 3. Je me rappelle que sur Black Ops 2, j'avais fait une partie au sniper. J'avais fait 35, j'avais fait à peu près le même score, mais au sniper. Donc au sniper, c'est comme c'est extrêmement difficile. J'étais en mode oh là là, mais waouh. Alors j'étais un peu émerveillé, tu vois, parce que j'étais sur la map, je m'en rappelle plus la map d'ailleurs de VO2. Mais j'étais sur une map, tu vois, bien pour les snipers. Et donc du coup, j'avais fait une partie de fou et ça m'avait bien marqué. Revenons à notre gameplay, je viens de sortir une colère divine. Alors j'ai failli me faire péter, tuer par la colère divine. Ce qui aurait été un peu con d'ailleurs. Et là, on est avec un ratio de 12. Pou, ratio de 12. J'avais jamais vu ça. Alors vous allez voir que là, l'écorcheur va bien m'aider. Vous allez bien voir, regardez. J'aurais fini tempo, regardez, pack là, voilà. Donc j'ai eu un peu chaud, je vous l'avoue, mais voilà. Pour moi, l'écorcheur, c'est vraiment quelque chose de super pratique. En plus, ça rapporte 125 ou 150 points, je m'en rappelle plus. Du coup, c'est vraiment super utile pour les killstreaks. Alors, revenons, je voulais vous parler un peu de la chaîne. Là, voilà, pour l'instant, on est un peu à l'étape du début de la chaîne, si vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas, si vous voulez, je fais pas encore un commentary, voilà, là je viens de mourir, donc je viens de redescendre, 13-1, je fais du coup 13. Et donc du coup, je suis au début là de ma chaîne, on va dire, donc mon commentary est pas exceptionnel, je le fais pas attention, des fois je me précipite pour vite dire des choses, et des fois, en fait, si vous voulez, je dis des choses en boucle, pour pas qu'il y ait des blancs, tu vois, parce que je sais qu'une vidéo avec des blancs ça plaît pas, c'est quelque chose qui est pas terrible, et du coup j'ai tendance un peu à me précipiter, à toujours vouloir dire des choses et à la fin je dis de la merde, et du coup voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Du coup voilà, j'essaie vraiment de des fois faire des blancs mais de réfléchir à la phrase que je vais dire, parce que des fois je me précipite et voilà, et ça fait un peu de la merde. Du coup, voyons voir, revenons à notre gameplay, 16-3, donc mon ratio est bien descendu là, hein. Ça m'a bien foutu en l'air mon ratio.
Là, l'écorcheur m'est toujours utile. Oui, bon, là, évidemment, je viens de me faire tuer. On reprend le HCXD. Alors, je le redis encore, j'aurais dû mettre d'autres séries de points. J'aurais vraiment fait une partie de fou. Mais bon, je pouvais pas prévoir que j'allais faire une partie comme ça. Alors, c'est dommage que dans le mode studio, il n'y ait pas les killcam. Ça, c'est vraiment quelque chose que... qui m'énerve, mais tu vois, qui est dommage, quoi. J'aurais bien aimé vous faire voir la killcam. Bon, elle est pas exceptionnelle, c'est une killcam normale. Mais tu vois, rien que pour boucler la vidéo, c'est pour ça que, bon, quand tu fais un live, c'est plus joli. Mais bon, après, c'est... Je trouve en fait que les lives, c'est... Comment dire ça? C'est plus joli. C'est plus détendu. Mais après, il y a un côté moins propre, tu vois. Alors, moi, personnellement, je préfère les lives. Même si c'est pas propre, t'as du contenu comme ça, t'as les réactions... T'as les réactions du joueur, quoi, quand il joue. Et tu vois, ça donne plus une impression de réalisme. Encore l'écorcheur qui fait beaucoup son boulot. Je crois qu'en fait, c'est grâce à l'écorcheur que j'ai un score comme ça. Parce qu'entre nous, sans l'écorcheur, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin bref, du coup, revenons à notre score. Encore 23-4. Ça, c'est vraiment énorme, 23-4. Hein. Alors, vous voyez que je temporise un peu. Je tente pas le tout pour le tout, hein, je temporise bien. Alors, au début, j'ai cru que j'allais faire la nucléaire tellement que j'étais chaud. Mais bon, je pensais faire la nucléaire parce que, tu vois, c'était pour moi la première fois que je faisais 13 kills d'affilée. Tu vois, donc c'est vrai que c'est assez chaud. Du coup, comme j'ai des petits killstreaks, je vais en avoir en masse pendant la game. Et du coup, là, je viens de débloquer mon rapace. Mais d'abord, l'HCXD. Ça doit faire le 10e HCXD, peut-être que je fais, je sais pas. Donc, du coup, voilà, pour en revenir à notre chaîne, voilà, je fais un commentary des fois un peu précipité, ce qui peut être un peu dommage, mais je m'en rends pas compte, tu vois. Là, par exemple, dans cette vidéo, je temporise un peu, si vous voulez, je réfléchis beaucoup à mes phrases, mais je me précipite toujours pour pas qu'il y ait de blanc, tu vois, c'est plus fort que moi. S'il y a des blancs pendant la vidéo, ça me va pas. Alors, là j'ai plus de munitions dans ma Kuda, ce qui est assez... Ça c'est... J'aurais dû prendre pillard, mais bon, c'est... Normalement je meurs en fait avant d'avoir plus de munitions. Du coup voilà, ça c'est un peu embêtant, je me retrouve avec un écorcheur et un lance-roquette. L'écorcheur va m'aider, comme d'habitude. Voilà, donc je pense que l'écorcheur, moi je vais le garder pendant longtemps. Du coup, ça fait longtemps que je vous avais pas proposé un gameplay à la... Enfin, sur Call of Duty tout simplement. Puisque la dernière vidéo que je vous ai faite, si je me rappelle bien, c'était épisode 10 de la Cité des Maîtres, donc du coup c'était du Minecraft. Et donc du coup, voilà, ça fait un peu longtemps que je vous ai pas fait du Call of. Donc je vais juste vous dire que... Ah mais c'est pas écrit. Ah mais c'est des ballots en fait. Je voulais juste vous faire voir mon niveau. Sauf que là je l'ai pas. De tête, je sais que je suis prestige 5. Niveau une trentaine de niveaux. J'ai pas le niveau dans la tête, mais je crois que c'est une trentaine de niveaux prestige 5. Je compte passer prestige, putain, mettre prestige ce serait vraiment bien. Bon, ça m'aura quand même pris un an, mais mettre prestige, j'aimerais bien y arriver. Après il y a un nouveau Call of qui va arriver, donc peut-être que je vais zapper un peu, c'est possible. Après c'est... Alors pour un... Si je lance... Ah ben non, j'aurais pas le temps de lancer un petit débat sur le nouveau Call of. Mais donc du coup, ben, on va terminer ce gameplay. Puisque là il y a 99 à 70. Voilà, c'est la fin de ce gameplay. Voilà, tout vient de bugger. Ah non, je suis con, c'est la fin. Donc du coup voilà. En fait, dans mon studio, ça fout en pause le jeu. Donc voilà, c'est un peu dommage. Normalement on devrait avoir la killcam, mais bon c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quoi d'autre à part vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne journée, bon, tout ce que tu veux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut.